Moins 50 l'hiver et des vents furieux. Sale temps pour les êtres vivants. Pourtant, de grands prédateurs affrontent ces conditions extrêmes, au pôle Nord comme au pôle Sud. Voyons comment ils relèvent le défi. Voilà de quoi est faite cette étrange planète, le monde polaire, l'univers du froid. Au nord, l'Arctique, le terrain de chasse du grand ours blanc. Ce prédateur accompli parcourt inlassablement la banquise pour débusquer les jeunes phoques cachés sous la surface gelée. Le plus grand carnivore terrestre règne en maître incontesté sur son territoire de glace, l'Arctique, mais son fief est limité, le Grand Nord ne représente qu'une partie du monde polaire. Car aux antipodes, très loin des hommes et de leur lumière, s'étend un autre royaume de glace, encore plus froid, encore plus isolé, l'Antarctique, la patrie des manchots. Mais ce n'est là que le petit peuple. Le super prédateur, l'homologue de l'ours polaire, le voici, le léopard de mer. Un phoque géant de près d'une demi-tonne. Si le léopard de mer et l'ours blanc ont des techniques de chasse tout à fait différentes, ils opèrent sur le même terrain, la banquise. L'un s'en sert pour coincer les proies, l'autre pour se dissimuler et les surprendre. En Arctique, l'ours harponne les phoques par le haut. Aux antipodes, le léopard de mer happe les manchots par en dessous. Grosse différence aussi quant à leur régime. Le léopard de mer dispose d'une carte variée et mange à sa faim toute l'année. Pour l'ours polaire, c'est proie unique, du phoque ou rien. Et l'été, eh bien, c'est rien, puisque la glace se dérobe sous ses pieds. Son terrain de chasse se liquéfie. Sans la banquise pour surprendre le phoque, impossible de chasser, c'est la disette. Il n'y a que les grands experts, les chasseurs les mieux adaptés, qui contournent la difficulté et capturent une proie de temps en temps. Les jeunes, eux, survivent difficilement à l'été. La faim est la première cause de mortalité chez les ours polaires, et le réchauffement climatique ne fait qu'aggraver la situation. Un régime alimentaire uniforme, un terrain de chasse fluctuant et aucune échappatoire. L'ours polaire est dramatiquement confiné sur un domaine dont l'étendue varie selon les saisons. Au sortir de l'hiver, la banquise occupe 14 millions de kilomètres carrés. C'est son étendue maximale. Scellée dans cette chape de glace, l'île norvégienne du Spitzberg. En bordure de l'île, un glacier. Et au pied du glacier, une famille d'ours polaires. Une femelle et ses deux oursons d'un an que nous allons suivre pour tenter d'éclairer les enjeux de leur vie en Arctique. Déjà 20 ans qu'elle arpente la banquise.
Cette femelle est un monument d'expérience et le professeur idéal pour les deux boules de poils qui lui collent au basque. Des petits, elle en a déjà élevé une dizaine. Il faut à peu près 2 ans et demi pour leur donner les clés de la survie, leur apprendre à traquer le phoque, à repérer les plus belles prises. L'ennui, c'est que les seules prises qui intéressent réellement les oursons à cet âge, ce sont les prises de judo. Bien entendu, ces jeux font partie de l'éducation des jeunes. Mais c'est en suivant leur mère qu'ils apprendront le principal. Pour survivre par ce froid, il faut faire du gras. Et pour faire du gras, il faut manger, donc chasser. Car dans ce désert de glace, rien ne pousse. C'est bien pour ça que les ours polaires sont devenus exclusivement carnivores. Et en très peu de temps d'ailleurs. Il y a 200 000 ans à peine, les ancêtres de ces oursons vivaient ici. En fait, ces ancêtres existent encore. Ce sont les ours bruns. Omnivores et adaptés à un habitat semi-forestier. Est-ce pour conquérir de nouveaux espaces ou pour trouver de la nourriture ? Toujours est-il que certains ours bruns ont progressivement migré vers le nord et sont arrivés un beau jour aux portes de l'Arctique. Le premier hiver a dû être dur pour les ours migrateurs. Coincés sur la banquise, sans baies ni racines à manger. Une seule source de nourriture possible, la chair animale. Désormais, tout repose sur la chasse. La sélection naturelle favorisera la survie des prédateurs au pelage le plus clair. Un camouflage indispensable pour surprendre ses proies. Mais quelle proie ? Les oiseaux migrateurs ? Trop petits pour rassasier un mastodonte de 600 kg. Il va falloir trouver plus nourrissant. La voilà la proie rêvée, le phoque. Ces mammifères marins sont nombreux et dodus à souhait. L'ours polaire va se spécialiser dans la chasse au phoque, ce qui suppose quelques ajustements et remises en question de ses habitudes. Fini l'hibernation, car c'est en hiver que la chasse est le plus facile. Plus besoin de longues griffes pour déterrer les racines. Il faut plutôt des griffes courtes qui accrochent bien la glace et des crocs acérés pour déchirer la chair. Voici l'ours fin prêt pour passer à l'attaque. Fin prêt, pas encore. Les armes seules ne suffisent pas pour capturer une proie aussi fuyante. Une stratégie s'impose et il faudra plusieurs millénaires aux ours pour la mettre au point. Un patrimoine que les mères transmettent à leurs oursons de génération en génération. 200 000 ans ont passé et il incombe toujours à la mère d'initier ses petits qui observent puis reproduisent chacun de ses gestes. Ces deux oursons n'en sont pas à leur première séance de travaux pratiques. Leur niveau est déjà suffisamment avancé pour que leur mère les laisse mener la chasse. Le terrain, une banquise côtière. Les cobayes, des phoques marbrés prenant un bain de soleil. Parfait pour la chasse à l'affût. L'ours a une bonne acuité visuelle, complétée par une membrane cornée qui atténue la réverbération. Des lunettes de soleil, ingénieuse trouvaille de l'évolution. Et avec son camouflage naturel, il peut observer sans être vu. Aux oursons de montrer ce qu'ils savent faire. Malgré tout, il va falloir ruser. Les phoques sont très méfiants et se ménagent toujours une issue de secours. Un geste brusque et ils disparaissent. Des années d'observation ont permis aux ours de mettre au point un plan d'attaque. Car il y a une faille dans le système de défense du phoque. Le jeune apprenti nous en fait la démonstration. Le phoque marbré a un cycle de sommeil réglé comme une horloge. Quand il s'assoupit, on a 30 secondes pour avancer en se cachant derrière des congères. Au bout de 30 secondes, le phoque se réveille. Le chasseur s'immobilise pour se fondre dans le décor. Pas de danger à l'horizon ? Le gros lard se rendort.
on peut encore gagner quelques mètres. À environ 25 mètres de la proie, on fonce. C'était trop loin. Il s'est fait repérer. Tout est à recommencer. Plus discrètement et en choisissant de préférence un jeune phoque. Ils ont le sommeil plus lourd et réagissent moins vite. Encore raté. L'ourson est trop impatient et manque d'entraînement. Mais il apprend vite. À 2 ans, il sera capable de tuer un phoque tous les 5 ou 6 jours. Inutile de s'attarder, tous les phoques marbrés se sont retranchés dans leur bunker de glace. La mère a heureusement un plan B, et tant pis si ses 2 apprentis ont décidé de s'accorder une récréation. Elle ira seule. Dans ce chenal côtier entièrement libre de glace, les phoques sont nombreux à venir respirer après un long moment en apnée sous la banquise. Elle semble certaine que des proies s'ébattent de l'autre côté de la couche de glace, à 2 mètres sous ses pattes. Ce ne sont pas des phoques, mais des baleines blanches, des belugas. Pour un ours, le beluga est une véritable manne alimentaire. Un gros boudin d'une tonne ou plus, bardé d'une couche de lard de 15 cm. Le gros lot, de quoi rassasier toute sa famille en une seule prise. Seulement voilà, les belugas savent que l'ours patrouille au-dessus de leur tête. Ils éviteront de se montrer. Comment ont-ils détecté le prédateur? Grâce à leur système auditif ultra sophistiqué. Les belugas entendent tout, non pas avec leurs oreilles, mais avec leur mâchoire inférieure. Une mâchoire creuse qui joue le rôle de résonateur et de récepteur des sons. Pour transmettre son message d'alerte, le beluga n'a pas de corde vocale. Son cri part de l'évent et traverse la bosse qu'il a sur le front. Le melon. Le cri est puissant et tellement sonore que l'ours l'entend à travers la glace. La femelle décide de se poster au bord du chenal. Elle peut toujours attendre. Sachant qu'un ours les guette, les belugas iront respirer plus au large, hors de portée de ses griffes. Adieu les tonnes de graisse. Ce chenal est bien trop vaste. On ne peut surprendre le beluga que dans l'espace restreint d'un petit trou d'eau. Un nouvel échec qui démontre les limites de la chasse à vue face à des proies méfiantes ou dotées de facultés sensorielles. Quand le mauvais temps s'en mêle et vient vous brouiller la vue, c'est encore pire. Impossible de localiser les phoques marbrés dans une telle purée de poids. Heureusement, l'ours a un radar infaillible à la place du nez. Son odorat est 7 fois plus puissant que celui d'un chien de chasse. L'air qu'il hume est chargé de messages que son cerveau décode aussitôt pour lui restituer une image olfactive. On peut imaginer qu'il entre alors dans un autre monde fait d'odeurs.
L'avantage de l'acuité olfactive, c'est que rien ne lui fait obstacle, pas même une épaisse couche de neige. Ce qui laisse bon espoir de débusquer les phoques tapis dans leur tanière. Il y a quelques jours, les mères phoques ont mis bas dans des cachettes creusées par leurs soins sous la glace, entre neige et eau, à l'abri du froid et des prédateurs. Précaution nécessaire, mais pas toujours suffisante. Ce parfum, cette odeur musquée, pas de doute, c'est un beau phoque. Reste à casser la croûte en brisant la paroi de la congère. Manque de chance, la glace a résisté aux coups de boutoir qui, en revanche, ont fait fuir la mère phoque et son nouveau-né. Pour les oursons, il s'agit maintenant de répéter ces gestes maintes fois observés. Mais tout à coup, le vent change de direction, apportant avec lui une odeur irrésistible. L'ourson se lance le premier sur la piste prometteuse, bien décidé à mener l'enquête avec ou sans l'aval de sa mère. Il peut faire confiance à son flair. S'il y a une proie, même à 30 km d'ici, il la localisera. Reste pour l'heure à trouver des indices. En voici justement un. Du sang de phoque. Là, encore du sang et une congère défoncée. C'est forcément l'œuvre d'un autre ours. Et d'un grand mâle, à en juger par ses empreintes. Dernier indice, une trace de sang frais. L'ours aura traîné la carcasse. Le jeune n'a plus qu'à suivre la piste. La carcasse est bien là, mais elle est gardée par deux cerbères, un mâle d'au moins 600 kg et sa compagne. Le pisteur novice a commis une grosse erreur. Il s'est approché en ayant le vent dans le dos. Il vient de se faire repérer. Attiré par l'odeur de viande, le jeune ours avance tout de même. Et les oursons inconscients sont des proies faciles pour des mâles adultes volontiers cannibales. Soudain, l'agresseur hésite. C'est que de nouveaux personnages sont entrés en scène. La mère et le frère de l'ourson. Voilà qui change la donne. Le mâle préfère abandonner. Le jeune ours a obtenu ce qu'il voulait. Il a attiré sa mère jusqu'ici pour l'inciter à voler la carcasse. Quand une ours a trouvé de quoi nourrir ses petits, elle fait tout pour s'en emparer. Elle pèse 300 kg et lui le double, mais devant une telle détermination, il ne fait pas le poids. Et puis, il a déjà prélevé toute la graisse sur la charogne. Inutile de se battre pour des restes. Il cède son butin et rejoint sa partenaire sans plus insister. Grâce à cette opération de raquette, la petite famille va pouvoir patienter jusqu'à la prochaine proie. Le stratagème de l'ourson a parfaitement fonctionné, mais il n'aurait pas pu le mettre en application sans sa mère. Or, celle-ci ne sera pas toujours là. De plus, l'été arrive, et ça va tout changer. Entre avril et juillet, les deux tiers de la banquise de l'Arctique fondent. Fin juillet, au Spitzberg, elle a même complètement disparu. Une catastrophe pour les ours, parce que les phoques leur échappent. Ils dérivent loin vers le nord, sur leur radeau de glace. Les ours perdent à la fois leur proie et leur territoire. Leur monde se disloque et s'effondre, comme les glaciers qui les entourent. C'est la débâcle annuelle, avec ses allures d'apocalypse.
Le premier été en solitaire est une épreuve terrible pour les jeunes. Celui-ci est âgé de 3 ans. Pourquoi est-il seul? Où est passée sa mère? Elle est passée à autre chose, partie fonder une autre famille, en laissant l'ancienne loin derrière elle. La rupture a été brutale et lui se retrouve seul, affamé et désemparé. Car il n'a plus personne pour le protéger des grands mâles solitaires et irascibles. Fini les caresses, la sollicitude maternelle et surtout l'assurance de manger même s'il ne fait pas l'effort de chasser. Il pourra vivre un certain temps sur sa graisse tout en mâchonnant des algues pour tromper sa faim, mais pas tout l'été. Tôt ou tard, il devra assumer pleinement son rôle de prédateur. Une seule solution pour cela, faire appel à sa mémoire, retrouver les coins de chasse que sa mère lui a montrés ici même l'été dernier. Ce fjord compte plusieurs îles sur lesquelles on peut trouver à manger. L'ourson entreprend de les explorer. Il met le cap sur la plus proche d'entre elles. Hélas, un ours adulte y a déjà planté son drapeau et semble prêt à en découdre avec celui qui osera accoster. Les jeunes sont des proies très alléchantes pour de grands mâles opportunistes que la faim rend cannibales. Ce qui sauvera l'ourson, c'est son extraordinaire odorat. kilos de muscles, de graisse et de fourrure dégagent une forte odeur qu'il a sentie de loin. Pas de livraison à domicile pour le colosse solitaire. Le jeune ours s'est ravisé et part en quête d'un autre terrain de chasse. Cet îlot peut-être. Un délicieux parfum de plumes et de fiente. S'il se rappelle bien une leçon apprise l'an dernier, ça veut dire des œufs. C'est très nourrissant, les œufs. Les trouver, facile comme tout. Les voler, c'est une autre histoire, dans laquelle intervient la citerne arctique. Une vraie harpie quand elle s'y met. Ces attaques en piqué ne représentent bien sûr aucun danger, mais elles sont franchement agaçantes. Maudite proie, combien de stratagèmes ont-elles inventé pour éviter de se faire manger? C'est là le plus gros problème des prédateurs, qu'ils soient terrestres ou marins. Prenons les belugas qui croisent dans ces fjords. Avant d'être le repas de gala des ours polaires, ils sont eux-mêmes chasseurs et savent qu'il y a des proies à éviter absolument. Le chabot, aussi doux au palais qu'une pelote d'épingle. La lompe, totalement indigeste. La méduse, 90% d'eau, 10% de venin. On fait mieux comme repas. Ah, voilà qui est plus intéressant, un flétan. Savoureux, digeste et facile à attraper parce que très lent. Sa lenteur le met d'ailleurs en danger. D'où cette manie qu'il a de s'enfouir dans le sédiment. Ni vu ni connu? À d'autres, le beluga, lui, voit parfaitement à travers la vase, grâce au formidable système de l'écholocalisation. Le beluga, comme le dauphin, est équipé de ce fameux sonar très performant qui lui permet d'avoir une vision sonore de son environnement. Il émet des ultrasons à travers son melon. Celui-ci agit comme une lentille acoustique qui concentre et projette les ondes sonores en faisceau droit devant lui. Les vibrations rebondissent sur tous les obstacles rencontrés et elles reviennent en écho sur le beluga, traversant sa mâchoire inférieure qui transmet l'information au cerveau. Dans ces conditions, chasser le flétan est un jeu d'enfant.
Avec son sonar naturel, le Beluga est aussi bien équipé qu'un sous-marin espion. Même le léger frottement d'une coque de bateau à la surface de l'eau ne lui échappe pas. Souvent, les belugas se mettent à suivre ces étranges créatures, mi-poissons, mi-oiseaux. Dans un but bien précis, nous le verrons. Sur son îlot, le jeune explorateur a toujours le ventre vide. Et les raids aériens des sternes s'intensifient. Ça y est, il semble enfin sorti de la zone de tir et arrive dans un bon coin. Des rondins de bois flotté, un sol inégal, c'est l'habitat préféré des canards raiders qui nichent dans la région. Mais allez donc les dénicher. Avec leur extraordinaire tenue de camouflage, ils n'ont qu'à s'immobiliser pour devenir presque invisibles. On peut cacher ses formes, mais pas son odeur. Surtout au nez d'un ours. Encore un fiasco. Mais cette fois, il y a un lot de consolation. Les œufs abandonnés par la canne. 3 œufs et leur garniture de duvet. C'est peu, mais c'est mieux que rien. Un étrange grincement vient le déranger. À vue de nez, rien de comestible. L'odeur est même franchement nauséabonde. En revanche, l'arôme qui vient à présent lui chatouiller les narines est autrement plus alléchant. On dirait de l'huile de poisson rance. C'est l'odeur caractéristique du souffle d'un beluga. Pour l'instant, le beluga est inconscient de la menace qui le guette. Il doit muer avant l'hiver, et s'il a pris le voilier en chasse, c'est pour se débarrasser de la vieille peau qui le démange. Aucun doute, il y a une baleine blanche dans les environs. Avec ses larges pattes qui font office de pagaie, l'ours est un excellent nageur qui peut parcourir 80 km d'une seule traite. Mais pour la discrétion, par contre... Inquiété par ce vacarme, le beluga se tient sur ses gardes, attend, retient son souffle. Or, c'est justement son haleine fétide qui guidait l'ours. Privé de cette piste, celui-ci ne peut plus avancer qu'à l'aveuglette. La curiosité est plus forte que l'inquiétude. En ayant soin de nager près du fond, le beluga va s'approcher pour identifier l'agresseur. Dans les eaux troubles de la baie, il fait marcher son sonar. Et voici l'image qu'il obtient. Le prédateur est bredouille, une fois de plus. L'été s'annonce difficile. Et il risque de durer encore très longtemps, puisque le réchauffement planétaire repousse maintenant la formation de la banquise jusqu'en septembre. Le jeune ours pourra-t-il vivre jusque-là sur ses réserves de graisse? Rien n'est moins sûr. Mais il semble avoir compris que le plus sage était d'attendre, d'économiser ses forces. Nous verrons si c'est la bonne solution. En attendant, allons voir comment ça se passe aux antipodes. La situation géographique de l'Antarctique est bien différente puisque le continent est isolé du reste du monde par l'océan Austral. Les vents délirants jusqu'à 300 km/h et la température peut descendre jusqu'à moins 90 degrés. Trop loin, trop froid pour que des prédateurs terrestres, même des ours polaires, aient migré jusqu'ici. En surface donc, pas de chasseurs et d'ailleurs, pas grand-chose à chasser pour le moment.
Sous l'eau, par contre, il y a des mammifères marins pour apprécier ce havre de paix. Phoques et baleines de toutes espèces se rassemblent ici pour se nourrir et se reproduire. Et bien sûr, on trouve au bout de la chaîne alimentaire un super prédateur. Il règne dans cette savane sous-marine comme un fauve. Il en a d'ailleurs la souplesse, la puissance et le nom, le léopard de mer. Des proies à profusion et aucun rival. Comment ce prédateur, qui n'est qu'un phoque un peu plus vorace que ses cousins, parvient-il à se tailler ici la part du lion? Pour comprendre, il faut le suivre quelque temps dans ses chasses. Ce jeune mâle a le même âge que notre ours du Spitzberg, 3 ans. Lui aussi a tout à apprendre, mais vraiment de A à Z, car il n'a reçu aucune éducation de sa mère. Son apprentissage est complètement empirique, une succession d'erreurs de tactique qu'il essaye de ne pas reproduire. Sur son domaine de chasse, la terre de Graham, c'est l'été austral. La neige a fondu, les rochers sont découverts. Le léopard arrive juste au bon moment. Ses proies favorites convergent par centaines vers cette crique. Les manchots accostent toujours sur une pointe rocheuse. Car sur cette terre, recouverte de glace à 98%, les seules oasis sont les rochers. Et les manchots ont besoin pour nicher de ces cailloux avec lesquels ils protégeront leurs œufs des vents violents. Une fois le bivouac repéré, il n'y a plus qu'à attendre qu'il retourne à l'eau pour se nourrir. Le léopard de mer se poste en plein milieu de leur trajectoire pour les intercepter. Le manchot semble en état de choc, inerte à la surface. Aussi, le jeune léopard prend tout son temps et joue un peu avec sa proie avant de la dépecer. Erreur de débutant. Le manchot qui faisait le mort est parvenu à s'enfuir. Moralité, quand on tient une proie, il est sage de la mettre tout de suite en lieu sûr, dans son estomac. En Antarctique comme ailleurs, les erreurs des uns font le bonheur des autres, notamment de ces amateurs de viande saignante que sont les grands labs. Il est au milieu des siens, le manchot blessé est plus ou moins protégé. Mais tôt ou tard, à ce jeu macabre, le grand lap gagnera. Ce n'est qu'une question de temps. Une fois la victime isolée, d'autres grands labs vont s'approcher de la table de jeu pour entrer dans la partie. Inutile de préciser qui fait le mort.
Antarctique, c'est donc un oiseau charognard et opportuniste qui joue le rôle du super prédateur terrestre. Et sous l'eau, on retrouve notre caïde, le léopard de mer. Tout comme le beluga en Arctique, le léopard est un mammifère marin adapté à la vie dans des eaux froides. Mais alors que le beluga est confiné sous la surface, le léopard de mer, lui, peut se hisser sur la banquise. Aucun risque d'asphyxie pour le super prédateur de l'Antarctique. Ses dents crénelées, on l'a vu, lui permettent de saisir et déchiqueter les manchots en été, mais elles peuvent aussi filtrer le krill qui abonde sous la banquise en hiver. Ses nageoires antérieures longues et puissantes l'aident à se propulser dans l'eau à 30 km/h, plus vite que le plus rapide des manchots. Mais le principal atout du léopard, c'est sa ruse. Il s'adapte à ses proies, aux particularités du terrain, et devient chaque fois un peu plus efficace. Démonstration. Il a décidé de repartir à l'attaque. Seulement les manchots à jugulaire sont désormais conscients de la présence du prédateur qui va devoir modifier sa tactique d'approche. Dans le monde polaire, le meilleur accessoire de camouflage, c'est encore le glaçon. Il va se dissimuler derrière celui-ci pour avancer vers la côte sans être vu. Mais à malin, malin et demi. Lorsqu'ils soupçonnent la présence d'un prédateur, les manchots déclenchent de leur côté un plan de défense basé sur le nombre. Ils se réunissent sur un rocher en une masse compacte. Et dès que l'un d'eux en prend l'initiative, ils se précipitent dans l'eau, chacun voulant être parmi les premiers. Car ce sont généralement les derniers qui passent à la casserole. Pour ne pas répéter l'erreur de la dernière fois, il s'est jeté sur sa proie avec une fougue spectaculaire. Nouvelle gaffe. Cette mise à mort trop voyante sème la panique parmi les manchots. Pour leur prochaine sortie en mer, ils chercheront une autre plage. Derrière ses mauvaises manières, le léopard cache un raffinement de gourmet et pèle sa proie comme une orange pour en extraire les magrets. C'est plutôt maigre, finalement, comme repas. Il faut en tirer un nouvel enseignement. Pas de spectacle gore sous les yeux des proies si l'on veut en capturer d'autres. La chasse, c'est épuisant. Et même si son repas était frugal, le jeune léopard a besoin de faire une sieste. Encore faut-il trouver un radeau suffisamment grand et inoccupé. Ici, un congénère en pleine action. Intéressant, mais dangereux. Cette ogresse doit bien peser 400 kilos, le double de notre chasseur. Il n'a pas intérêt à la narguer. Elle est ici chez elle et il n'est pas le bienvenu. C'est clair. S'approprier un territoire, voilà bien le privilège des adultes. En plein été, ce n'est pas facile pour un petit jeune de trouver quelques mètres carrés inoccupés pour se poser un peu. Les mâles adultes aiment leur tranquillité et peuvent se montrer assez... bougons. Seuls les immatures, les adolescents, acceptent l'hébergement en dortoir. Ces trois manchots ont tort de s'affoler. Ils n'ont rien à craindre de ce nouveau venu qui cherche seulement à parquer ses 200 kilos. Sur la banquise, il est aussi agile qu'un avion cargo sur les tarmacs. Bientôt, les rencontres entre manchots et léopards de mer se feront de plus en plus rares, car la fin de l'été est proche. Une épaisse chape de glace recouvrira tout le littoral. Les habitants de l'Antarctique prendront la mer pour de longs mois.
Les préparatifs de ce grand voyage seront une dernière occasion pour le léopard de mer de s'offrir quelques manchots. Ça sent nettement l'hiver. Dans les colonies de manchots à jugulaires et de papous, les adultes regardent déjà vers le large, mais les petits de l'année ne savent pas encore nager. Les premières leçons se prennent dans le petit bain, là où on a pied. Ils semblent bien malhabiles, ces petits manchots, qui hésitent encore entre la brasse et le dos crawlé. Mais le maître nageur arrive. C'est lui qui va trancher. Pour avoir quelques chances de capturer plusieurs manchots de suite, le léopard de mer expérimente une nouvelle tactique, celle du crocodile. Il rampe lentement vers la colonie, comptant sur sa robe grise pour se faire passer pour un rocher. Voilà, il s'est infiltré incognito dans la piscine. Maintenant, il faut préparer le kidnapping, c'est-à-dire repérer un bébé manchot isolé, le happer par en dessous et l'emporter au loin en évitant de le faire crier. Une fois au large, il dévore sa proie sans bruit dans l'eau. La colonie n'a rien vu, rien entendu. Il pourra y retourner et recommencer le même manège jusqu'à ce qu'il soit rassasié. Bien organisés, les léopards de mer peuvent dévorer une trentaine de manchots par jour. Notons que ces orgies ne nuisent pas aux populations de manchots qui sont très dynamiques. Avec ses talents de chasseur et son étonnante faculté d'apprentissage, le léopard de mer s'est approprié un continent entier et une source de nourriture intarissable, été comme hiver. Une fois les manchots partis, il quittera lui aussi la zone côtière pour aller se gaver de krill. Le super prédateur de l'Antarctique ne risque pas de mourir de faim. On ne peut pas en dire autant de son homologue du Grand Nord. L'ours que nous avions laissé en bien mauvaise posture, affamé, épuisé, est-il encore de ce monde? Probablement pas. Quoique, cette silhouette à flanc de montagne, mais oui, c'est lui. Non seulement il a survécu, mais il est bien gras, en parfaite santé. La chasse a donc été bonne cet hiver? Comment s'y est-il pris? Suivons-le sur la banquise où il s'engage d'un pas décidé, sachant visiblement où il va. Ce qu'il vise, c'est cette ouverture dans la glace qu'on appelle une polynie. Des eaux libres au milieu de la banquise. Il se met en embuscade. Est-ce pour un rendez-vous de chasse? Des belugas. Ce trou est le seul accès à l'air libre qu'il y ait à des kilomètres à la ronde. Ils doivent même se relayer pour venir y respirer tellement la brèche est étroite. Ils sont prisonniers des glaces. Une chance exceptionnelle pour l'ours. D'abord, épuiser les belugas en les empêchant de respirer à plein poumon. Attendre le moment propice, repérer la meilleure proie, attendre encore et plonger comme un harpon. On dirait qu'il a raté son coup. Mais pas du tout. Cette femelle est mortellement blessée. Seulement, elle pèse au moins 900 kilos et ne se laissera pas tirer hors de l'eau sans résister.
Afin de ne pas s'épuiser, l'ours va attendre la fin de son agonie pour la hisser sur la banquise. Les 6 mois d'hiver sont presque du passé. Le soleil reprend peu à peu ses droits et avec ce nouveau printemps, revient pour les prédateurs l'espoir de faire de belles prises et pour les charognards de trouver de beaux restes. Car n'oublions pas que l'ours blanc et le léopard de mer sont les derniers maillons d'une chaîne alimentaire à laquelle est attachée toute la vie polaire. Maillons qui, hélas, pourraient bien se rompre. Malgré leur ténacité, leur capacité d'adaptation, les prédateurs sont gravement menacés par les activités humaines. Réchauffement planétaire, surpêche, pollution, 3 fléaux du monde moderne qui risquent de causer leur perte et à terme, la nôtre. En attendant, notre ours marche résolument vers son avenir. Il a franchi le cap de cette première année en solitaire. Il lui reste une ultime épreuve à passer pour être vraiment adulte, le rite du combat. C'est un jeu en même temps qu'une préparation aux affrontements féroces de la saison des amours. Il hésite. Pour participer à ses joutes, il faut être sûr de sa force. Les jeunes que leur mère vient tout juste d'abandonner sont trop craintifs, trop affamés aussi pour se mesurer à leurs congénères. À la première provocation, ils fuient sans demander leur reste. Pour celui qui nous intéresse, c'est l'heure de vérité. Est-il mûr pour ce rite initiatique ? Il semble accepter le contact. Le jeu va commencer. Il vient de gagner sa place de prédateur du Grand Nord.